Ils sont venus de Tbilissi pour participer à leur premier entraînement. Ces jeunes Géorgiens sont les nouvelles recrues de la milice populaire Maznachvili, la plus importante du pays. Actifs sur tout le territoire depuis 2007, ces groupes armés enregistrent actuellement un nombre record de candidatures à cause des tensions croissantes dans la région. Le statut de milicien volontaire devrait faire son entrée dans la loi géorgienne. Le ministre de la Défense locale a annoncé la création d'une nouvelle entité juridique dédiée dès janvier 2024. Ainsi, ces volontaires ne seront pas considérés comme des soldats ou des fonctionnaires, mais comme des réservistes, subordonnés au ministère et mobilisables en cas de conflit armé. Ajero mukhelebi ar iknebian specialuri tavi gansazgvaus mat status es aris mukhaliseobri organizatsia an tavdatsvis sferoshi mukhalise ikneba statusi da iknebian samukhalako pirebi mokhteba khardacheta svodasvo mimartulobit gadamzadeba tsrtuna aghjurva da kide upro mcidro tanamshomloba chamuqalibdeba mukhaliseobri organizatsiebdan zalyan mishnolovania patriotuli sulisqvetebis garmovebis tvalsazrisit da tavdatsvis zalebis rezervistvis khteba es qolaperi. Une dizaine de milices sont actuellement répertoriées dans tout le pays. Au cours des dernières années, elles ont été activement engagées dans des situations d'urgence et seront désormais mieux formées pour fournir une assistance en cas de conflit.